Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce qui semble être le dernier épisode de Star Wars, le pouvoir de la Force. Ah putain, ce jeu. Ces planètes buggées, ces instants de jeu extrêmement chiants. Mais son histoire et son gameplay qui valent la peine d'être joués, qui... Putain, ça me fait mal de dire ça, mais s'ils le remasterisaient, s'ils le refaisaient de nos jours, ça serait beaucoup mieux. Parce que les touches seraient un peu mieux faites, enfin plus rapides, tout ça, quoique avec Star Wars Fallen Order, je dis pas, vu la latence qu'il y avait aussi. Mais il y a des mécaniques, si on referait le jeu aujourd'hui, ça serait largement amélioré, quoi. C'est... Et encore, à l'époque, Ce que tu as fait sur Axis Prime, il y avait l'empereur des jeux qui étaient serait déjà mieux faits que ça. grandement contrarié. Les ennemis de l'empereur hésitent encore. Je commence juste à gagner leur confiance. Si on me surprend en train de vous parler, ou s'ils ont des soupçons sur mon passé, tout ça n'aura servi à rien. Surtout, ne tarde pas à me reconnecter. Tu lui fais confiance? Vador ne compromettra pas ma mission, même s'il se méfie. On est arrivé? On a atteint Corellia. Et ils sont tous là. Bail et ses alliés. La voilà ton alliance rebelle. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Fais-moi confiance. D'accord. Je ferai ce qu'il y a de mieux. Pour tous les deux. Le temps de la diplomatie et de la politique est révolu, c'est vrai. Nous devons agir. Si tu prends le commandement, nous rejoindrons l'Alliance. Je ferai de même. Vous croyez évanoui dans la soute? J'ai repris connaissance. Alors c'est décidé. Ma fortune financera la rébellion. Garm nous fournira des vaisseaux et Mon Mothma des soldats. Et avec toi à notre tête, nous avons le pouvoir de la Force de notre côté. Célébrons ce qu'il est convenu d'appeler une déclaration de rébellion. Aujourd'hui, nous faisons le serment de changer la galaxie. Pour qu'un jour, la galaxie soit enfin libre. Proxy, coupe la transmission. Prenez-les vivants. L'empereur tient à les exécuter personnellement. Je te félicite, mon apprenti. Intervenir! Je t'ai menti. Je te mens depuis le début. Vous ne cherchiez donc pas à éliminer l'empereur? Pas dans l'immédiat, non. Sans moi, vous ne serez jamais libre. Obi-Wan? Oh non, Proxy. Putain, j'y ai cru. Ça m'aurait étonné, sachant que cette histoire est canon.
C'est terminé. Vador les a tous livrés. À l'Empereur. Je ne comprends pas. Pourtant, c'est bien Vador qui nous a permis d'attaquer des cibles impériales. Il avait tout calculé. Les crédits, les vaisseaux, les soldats de l'Empire. Peu importe les sacrifices. Vador avait besoin de moi pour trouver les ennemis de l'Empereur coûte que coûte. Et j'ai fait exactement ce qu'il m'a demandé. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, c'est le sort de l'Alliance qui est entre tes mains. On va chercher Vador. Et les rebelles. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, je médite. Les Jedi arrivent parfois à entrevoir l'avenir. Tu as déjà fait ça ? J'ignorais que j'étais un Jedi. Non. Non. Kota ! Quoi ? Qu'est-ce que tu as vu ? Une station spatiale. Gigantesque. Maintiens le champ de dissimulation et reste hors de portée des scanners. Oh, j'ai comme un mauvais pressentiment. Qui sait, c'est peut-être bon signe. Est-ce que je te reverrai ? Si je libère les rebelles, il faudra les évacuer. Je ne crois pas, non. Alors ce sera plus facile d'oublier ça. Adieu, Juno. On va se mettre le sabre laser bleu pour rester dans le thème. Une amélioration de force. Je pourrais pas tout avoir avant de terminer le jeu, c'est dommage, mais bon. Je peux pas améliorer le truc comme ça. On reçoit toujours des trucs de combo de force, mais il n'y a aucune attaque de plus. C'est con. Pas très équilibré et tout ça. Thank you.
Y'a encore un truc de géant. On va s'occuper de ces snipers avant parce qu'ils me font chier. Ils sont où? Ah, ils doivent être tout en haut là, aux fenêtres. Aïe! Putain, il y avait des gars là! Mais genre, mais. J'ai esquivé le coup du sniper, je me reçois le coup et j'esquive le truc! Il me chope quand même! Le problème avec ce jeu là, c'est que quand j'essaie de choper des gens et que ça marche pas, j'ai l'impression que c'est la manette qui a bugué vu qu'elle bug souvent. Ils sont où ces snipers de merde? Bon. Alors les snipers, je peux pas les toucher. Ou alors faut que je leur envoie des trucs, mais je vois même pas où ils sont. Il me semble en avoir vu un en hauteur, mais c'est casse-couille. Vraiment. Ah merde, c'est de la santé en plus, j'ai pas fait attention quand j'avais pris le tour. Ces trucs là sont vraiment casse-couilles par contre. D'accord. Qu'est-ce qui m'a touché là? J'aimerais qu'ils visent ce que je veux viser aussi, hein. Ça aiderait grandement à ma victoire.
Oh putain, et je me foire. Putain, si je galère à cet endroit-là, quoi, c'est... C'est un peu n'importe quoi. Alors là, le lock était bien sur le gain, hein, je... Mais... J'ai même pas appuyé! J'ai juste appuyé sur carré! Une deuxième fois juste après! Mais il le croit, il était même pas apparu! C'est fou! En fait, la latence, elle est pour les réactions du jeu, pas pour la manette! C'est pas ma manette qui merde, hein, c'est vraiment la latence du jeu! Quand c'est pas les snipers, c'est les autres trucs. Oui. Oui. J'aimerais pouvoir bouger au lieu de me faire bolosser. Vous n'avez qu'à venir me chercher. Je bouge plus. Oui, bah oui, il y a un ennemi, ça fait pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, c'est canoir là-bas, mais c'est... C'est des vraies plaies, ces trucs. C'est bon maintenant ? Putain. Ces trucs noirs sont vraiment des plaies. Thank you.
Bon, il est mort l'autre. Ouais. C'est bon, je peux enfin aller là-dedans. Putain, 20 minutes à passer là-dedans. Faut aller où? Je veux voir tous les combien ça tire en fait. Ça prévient. Ça risque pas de nous surprendre, quoi, ça prévient. Il y en a un autre en mauvais. Pour ceux qui connaissent, c'est simple, hein, vous faites le niveau en moins de 5 minutes. Mais... faut aller où? Ah, mais on peut briser ça. Je sens qu'il y a quelque chose au bout, c'est pour ça que je pars pas tout de suite d'ici. D'accord, ça s'ouvre pas les trucs. Ah si, ça s'ouvre. Donc il devait y en avoir un là-bas. Bah tant pis.
de s'activer. Ils renforcent toutes leurs positions pour t'empêcher d'entrer. Si ça les amuse. Tour et l'impérium de merde. Le matériel vous explose avec eux. Je suis paumé. J'ai l'impression de tourner en rond. Et je tourne en rond, c'est peut-être une impression. C'est des portes à enclencher, ces trucs. Je savais pas.
Moi j'aurais fait en sorte que ces trucs par exemple, si on les vise, ils peuvent pas prendre l'électricité. Comme ça, ça viserait automatiquement le truc à côté. Parce que là, quand on vise avec l'électricité et que ça touche un, ennemi, un objet au lieu d'un que ce soit un ennemi, c'est un peu casse-couille. Moi je vous avoue que ça me fait bien chier. Ouais, c'était pas par là, d'accord. Compliqué. Je savais pas si c'était bon que je descende comme ça, mais au final si. Oula. On arrêtait hein, comme ça, ça ferait pas... Je crève là ou pas? Lors du tir, ça redevient normal. Par contre, je meurs instantanément. Hmm.
Désolé pour tous ceux qui connaissent, hein, moi je me souviens plus du niveau. Ah! Encore des ennemis, ouais. Et là, c'est l'ascenseur pour remonter, n'est-ce pas? Ouais. Donc là, pendant que le rayon est là, il faut que j'essaye d'aller dans un des trous peut-être, ou un truc du genre. Ou que je remonte tout simplement, en fait, quand j'y pense. Ah mais non, mais je peux pas remonter si le truc il est là. Il y a un truc à faire avec ce qui apparaît, mais le problème c'est que si je reste en haut, je vais me faire défoncer par le laser, et si je reste au milieu trop longtemps, aligner les anneaux du pulsarium. Je peux les bouger à un certain... D'accord, bon, faut que je les aligne alors qu'il est... Putain, mais il y avait marqué en haut. Et vu que je suis pris... Par mon personnage, j'ai pas du tout fait attention à ce qu'il y a même marqué. Putain, il redémarre tout de suite, les salauds.
Et ensuite? Pourquoi faut que je prenne l'ascenseur et que... Putain, faut que je fasse tout ça dans un temps imparti, c'est chaud. Parce que là, ça va repartir, là, non? Ouais, évidemment. Ça va me tuer là, ouais. C'est vraiment à la limite limite quoi. Je vais mourir. C'est laser. L'Empire n'en a jamais construit d'aussi puissant. Je bouge pas. En vrai, je suis totalement con. Pourquoi j'essaie de les aligner d'en bas? Vous savez, c'est... Il y a des jours, c'est très compliqué d'être humain, de ne pas réfléchir, d'être con, tout simplement. C'est tout un art, c'est difficile de le faire, et pourtant, bah, ça m'arrive très souvent. Juno, où est-ce que je suis? Dans la zone de convergence. D'après mes plans, il en existe 7 autres tout autour du canon parabolique. Et il y a 64 tubes de tir similaires à celui par lequel tu es entré. Tous ces rayons sont concentrés en un seul. Je n'arrive même pas à imaginer ce qu'on pourrait faire avec une telle puissance de feu. Trouve un moyen d'accéder à la plateforme centrale. Le dôme d'observation de l'Empereur est juste au-delà. D'après les plans, cette chambre est équipée de plusieurs faisceaux à graviton. Tu peux trouver un moyen de les activer? Déclencher la mise à feu principale. Tire des 7 en 5.
Faut trouver le truc qu'on m'a montré tout à l'heure. Que je donne un coup de foudre dedans. Y'a rien. Y'a rien. Ok. C'est ça? Non, c'est pas ça. Oula. C'est pas un ascenseur? Bon, je vais suivre ma map et suivre le truc jaune parce que là. C'est une zone de combat ici. Qu'est-ce que c'était ? Il y en a deux. Ah ! Ah, ils sont là les gros trucs que je dois activer. Je dois détruire ou activer? D'accord, c'est juste qu'il y en avait un qui était désactivé, quoi. Les gardes impériaux. Oula, il est un peu bugué l'autre devant. Thank you.
Il crève tout seul, donc je m'en fous. Je crois avoir entendu dire qu'il y avait deux fins dans ce jeu. Je sens la présence de Vador. Vous n'êtes que des traîtres agissant contre l'Empire. Vous serez interrogés, torturés. Vous allez me donner les noms de vos amis et de vos alliés. Et puis vous mourrez. Cela ne fera qu'encourager la rébellion. Vos exécutions publiques serviront d'exemple. Elles en dissuaderont plus d'un dans toute la galaxie. La rébellion est déjà une réalité. Seigneur Vador, occupez-vous de lui. Formé, mais tu dois encore progresser. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. J'ai l'impression que je peux rien lui faire en fait. Tu m'as bien servi, mais je n'ai plus besoin de toi. Bolos dans tous les sens. Yeah.
Je peux pas l'approcher, c'est ça? J'ai l'impression que je peux pas l'approcher. Il me fait ça à chaque fois. Décidément. C'est impossible à esquiver. Je vais te montrer toute la puissance du côté obscur. Ces trucs étaient impossibles à esquiver en fait. Putain, mais je vais pas avoir le temps de terminer! Fais chier, ces niveaux à rallonge là. J'avais pas prévu ça moi. Les deux derniers niveaux là, ils me font plus d'une heure à chaque fois. Insignifiant. Tue-le! Et tu pourras prendre la place qui te revient de droit à mes côtés. Non! Aide-le! Là, on a deux choix à faire. Soit on va à Vador, soit truc. Ça, c'est la fin gentille.
Ça va me toucher là, non? Ouais. J'aime bien la caméra, mais si elle pouvait juste un peu se centrer sur mon perso et pas sur l'empereur. Ah mais... Avec mes gros pouces. Fort que vous ne pensez, et il mérite de mourir pour tout ce qu'il m'a fait. Peut-être. Mais si tu invoques ta haine pour le tuer, tu auras fait tout ceci pour rien. Vous devriez éloigner Bale et les autres. Je vous rejoins dans une minute.
Alors il est plus puissant qu'il ne l'a jamais été. Il devait dénicher les rebelles. Mais son sacrifice va les encourager. Mais maintenant nous savons qui ils sont. Je vais les traquer et les éliminer. Car telle est votre volonté, maître. Soyez impitoyable, seigneur Vador. Si un seul de ces maudits rebelles survivait, cette alliance que nous avons contribué à créer pourrait causer notre perte. Sommes-nous prêts à finir ce qu'il a commencé? Alors enfin, l'alliance rebelle est née. Ici. Ce soir. Il nous faut un signe de ralliement. Un symbole. Un symbole d'espoir. Le symbole de la famille Marek. Il ne fait plus qu'un avec la Force. Vous avez toujours su qui il était. J'avais des soupçons, c'est vrai. Alors pourquoi nous avoir aidés, après tout ce que nous avions fait? Quand il m'a abordé dans ce bar, parmi ses pensées les plus sombres, j'ai pu entrevoir une lueur d'espoir. Une chose merveilleuse à laquelle il s'est toujours raccroché. Jusqu'à la fin. Quoi? Vous. Putain, j'ai cru qu'on allait avoir le droit. J'allais dire, j'ai cru qu'on allait avoir le droit au générique de 2 heures de long. Et bah ouais, on y a le droit. Ah, je peux le passer. Non, parce que sans vous. Sans vous raconter de conneries, j'ai pas le temps, quoi. Et je voulais vous faire la seconde, le second truc, mais je vous le ferai tout de suite. Enfin, pour vous, ce sera en vidéo, mais moi, je le ferai plus tard, du coup. La seconde fin. Comme ça, il n'y aura pas de non 100%. Et là, j'imagine que le non, justement, c'est le fait d'aller vers Vador plutôt que d'aller vers l'Empereur. Allez, à tout de suite pour la fin seconde. Nouveau Zir, voilà. Oui, tue-le. Il est faible, insignifiant. Tue-le. Et tu pourras prendre la place qui te revient de droit à mes côtés. Non! Et du coup là, on va faire la fin normalement qui n'existe pas. C'est la fin secondaire totalement. Qui n'est pas dans l'histoire. Quel
sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait exploser un truc. Hein. Je sais pas comment lui enlever des points de vie. En shop, peut-être. Non, on peut pas le choper. Putain, on a pas beaucoup de chance, hein. Faut que j'attende qu'il fasse son force push, en fait. Sinon, il se protège tout le temps. Ah non, pas là. Il est pratiquement invincible à ça. Il est beaucoup défensif, mais il est très faible. En un enchaînement, j'ai enlevé toute sa vie pratiquement. En fait, il y a au moins un truc qui fonctionne à chaque fois. Donc faut tous les tester. Au début, ça fonctionnait pas. Ensuite, ça fonctionne. Et on devient le nouveau Vador. Excellent. Le seigneur Vador n'était plus devenu que l'ombre de lui-même. Je savais qu'un jour tu le remplacerais. Et il ne te reste plus qu'une dernière épreuve. Détruis les liens qui t'unissent aux Jedi. Et enfin, tu deviendras un seigneur. Sith. Il va attaquer l'empereur et se faire envoyer Voldingen, je sais plus. Ouais. Jedi est à la fois ton maître.
et tes propres alliés. Je savais que tu me trahirais moi aussi. Et maintenant, en causant ta propre perte, tu condamnes tes amis. C'était pas traduit ça. Non, ensuite on va devenir une machine, ouais. Il va nous reconstruire. Toi qui étais si prometteur, tu aurais pu être mon successeur, mon égal. Mais maintenant, quoi qu'il en soit, tu peux encore m'être utile. Tu vas craquer et tuer tous mes ennemis dans la galaxie. Tu exécuteras mes ordres jusqu'à ce qu'un nouvel apprenti te succède. Ensuite, comme Vador, il te faudra céder ta place. Finissons-en. Bon voilà. C'était la mauvaise fin. Eh, c'était pas ça le nom. Putain, hein. C'est quoi le nom alors? Tant pis. Sur ce, maintenant que nous avons fini ça, je peux vous dire à tous, ciao à plus. Et rendez-vous dans 4 jours pour la suite de l'histoire. Parce que oui, on va faire le 2 tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et j'aurai joué à 2 bons jeux. Enfin, 2 bons jeux. Peut-être que l'autre, il sera meilleur au niveau du gameplay, mais j'espère qu'il y aura moins de bugs, en tout cas. Et que certaines choses seront réglées. Mais on verra bien. Allez hop!